Bienvenue dans cet épisode spécial Keeper. Parce que voilà, je vais prendre encore plus de liberté, mettre le son du jeu dans le jeu. Et donc je disais, je vais prendre encore plus de liberté dans le sens où il va y avoir du reroll, il va y avoir du Platinum God pour être sûr que les items font ce qu'ils font, qu'ils font. Il va y avoir beaucoup de morts et ce sera un petit montage des morts pour gagner du temps. Pas encore convaincu que ce run va rester. Honnêtement, Dr. Zrimod, c'est pas. C'est pas fantastique. Précise que je sors de l'enregistrement des épisodes 39 et 40 qui se sont avérés être assez particuliers. Le 39 parce que j'ai fait de la merde et le 40 parce que j'ai fait de la merde différemment. J'aurais bien aimé pour un cul. Moi je donnerais comme note à ce run Ragman sur 20. Ce qui ne veut rien dire, mais je supporte tellement pas Ragman que je lui ai lancé 3 missiles sur la tête. Ça montre un niveau de support très faible quand même, hein. Ça veut quoi? On va tenter un crossface. Eh ben non. Ça, c'est bien pour ramollir les salles. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah zut. J'ai été touché. Mais tout va bien. Ouais, ça va vraiment aider sur les premières salles. Toxic Shock.
Ok. Parfait, parfait. Les premiers boss. On n'a pas eu de deal parce que je me suis fait toucher. Ça recommence. La malédiction recommence. La malédiction du je fais de la merde. Et du coup, je me fais avoir. Oh là. Je sais pas pourquoi on fait du creep, peut-être que c'est Toxic Shock qui le fait. Et quand on tue quelque chose, ça fait du creep en dessous. Et c'est très appréciable. Aussi, j'ai l'impression qu'on fait plus de dégâts que de base, mais... C'est très bizarre. Risques pour une bombe. Ah là là. Ok, on va les laisser passer. Oui, je pourrais utiliser Docteur's Remote, mais je préfère la garder pour quelque chose d'utile. Olé. Genre là, ça serait utile, mais. Pour le coup, je préfère la garder pour le boss. Et j'aimerais bien qu'une petite pièce drop à un moment. Histoire qu'on puisse... ok. Merci. Ouh, non, 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 non. Ah, oh, sérieusement, quoi. De snipe. Puis il est pas mort en un tir, en un triple shot. C'est scandaleux. Ok. C'était pas le bon run. La tête sur la paume de la main. Et manifestement non, parce que j'ai dû changer pour faire cette salle, mais... Ah, le tears up est vraiment très marginal, hein, mais on va essayer d'aller avec ça. C'est pas un niveau XL, donc... On cherche pas la deuxième salle. Vous savez quoi? Ah, c'te... Ah non, mais... Le truc a glissé avec moi, quoi. Ah, on s'en fout, on y va, on est des fous. Je devrais pas avoir de problème pour tuer ce monstre. Ce monstre. Oh. Si. Apparemment. Je suis peut-être un peu... Je suis en train de me demander si je suis pas un peu fatigué en fait. Oh, alors celui-là faut pas le gâcher. Ludovico avec triple shot. Non. Mais c'est quoi ces tirs à la con qu'il fait? Normalement il tire droit, il fait des beams de brimstone quoi. Et là il fait n'importe quoi d'autre. Oh oh oh. On pourrait presque avoir intérêt d'aller au magasin là. Centimes. Le magasin est de plus en plus intéressant. Olé! Pourquoi il y en a une qui est libre là?
pourquoi il y en a deux qui... trois. C'est n'importe quoi. Hangman me permettra de prendre cette clé. Honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais... j'attendais de voir dans quel sens ça allait partir à la... le bloc libre là, mais... hop là... j'ai beaucoup de mal à diriger Ludovico, ce qui est très bizarre. Ok... c'était n'importe quoi, il me suivait. Donc je me mettais là où je déplaçais ma lame sur ma position avant de bouger quoi. Et d'un coup il décidait d'aller ailleurs, c'est très énervant. Oh non, The Hunt. Une des pires possibilités de boss. Ok, il faut absolument que je reste loin pour pas me faire toucher. On fait pas des tics de dégâts très souvent je trouve hein. C'est très embêtant. On va le tuer quand même mais... non le magasin, on a plus de clé donc... on y va. Ludovico j'aime bien. Ludovico, j'y laisse sa chance. Au passage, il me faudrait toujours une pièce pour remplir ce truc de pièces. Numesh, speed est porté. Ça m'augmente classiquement la vitesse de déplacement, je crois, la portée, mais je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'elle est vachement dure à placer quand même cette larme. Même sur des objets statiques, j'ai du mal à... hop là. Ça pourrait être... et c'est... alors... oh... fantastique! Si j'ai un PSG dans cet étage, je penserai à revenir ici. Et ils sont bien. On fait vraiment pas des dégâts souvent. Il va falloir améliorer ça. C'est la statistique de Tears, je pense, mais... forcément, avec triple shot, elle est très basse au départ. Quoi? Ah, j'ai l'alarme qui a dû toucher le truc, forcément. Et j'ai pas de bombe. Oh ah ah. Ouh là là. Oui, je sais que j'ai un Hangman, mais je vais mieux le garder pour quelque chose de constructif. On va essayer d'entrer dans le magasin, par contre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'utile à ce stade? À part éteindre les feux. On peut acheter la bombe, ce qui sera rentable, mais... de peu. Est-ce qu'on veut la Bible? D'ailleurs, c'est peut-être le Book of Révélation et pas une Bible, ça. Eh bien, on verra quand, si on peut se l'offrir, hein, plus tard. Même si c'est la Bible, ça peut être vachement utile pour passer Mom et pour avoir du vol temporaire éventuellement. Par exemple là. Honnêtement, si, vu que c'est la Bible, on n'en aura pas besoin, si on en a besoin, avant Mom. Donc, ouais, il faut absolument qu'on augmente notre cadence de tir. Là, monstro, alors il va mourir, mais ça
C'est un peu comme une mort de vieillesse, ça, ce serait. Yeah! Ça, je l'ai vu. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un bon chrono. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de bonnes stats. Et qu'on est dans les caves, dans Flooded Caves avec Curse of Darkness. Et que c'est chiant pour y voir où on va. Bon bah. Allez, ça vaut peut-être le coup. Peut-être pas. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça. Oh là 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 là. Apparemment, quand elle est en déplacement, l'alarme elle est plus efficace que quand elle n'est pas en déplacement. Ce qui est une bonne chose. Il suffit de la garder en déplacement tout le temps. Ou alors j'ai raté un truc, peut-être que Ludovico a changé un peu de fonctionnement. Oh là là, vous avez vu ce. J'avais pas vu le bord à cause du Curse of Darkness. Allez. Allez. C'est pas une pièce, mais c'est pas grave. Je voulais m'occuper de celui-là en premier. Parce que les explosions en diagonale, j'ai vraiment pas confiance. Vous vous rendez compte que je suis encore vivant là? Ça ne devrait pas être le cas. D'après mes informations, là je devrais être très 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 mort. C'est pas grave, c'est pas grave. La menace, pas trouver l'item room. Par contre, j'ai récupéré de la vie donc. J'ai l'impression qu'il n'y a que les petites larmes sur le côté qui font mal et pas l'alarme centrale, mais c'est pas comme ça que ça marche normalement cet item donc. Je sais pas trop là. Ok. Item room, vite fait, bien fait. La salle secrète peut-être. Ouais, ça, là ça tape vite, c'est juste sur les ennemis, ça fait des tics très très lents. En tout cas visuellement très très lent. C'est très moche hein, visuellement, mais ça marche. Comme ça va être compliqué. Ah, j'ai buté sur le bord. Ok, il en reste un. Il en reste toujours un. Parfait. Est-ce que ça valait le coup pour prendre une bombe de faire ça? Allez, on va dire que oui. J'aimerais bien y accéder à ce. Voilà. Là par contre je pense que ça valait le coup parce que rester en vie c'est une. C'est un bien nécessairement utile dans ce jeu. Oh bah là j'ai pas un autre. On va y arriver. Oh là là. Ouh, vous avez vu ce saut qu'il m'a fait là? C'est mesquin ce saut là, dis donc. Ninjas. Et ben la voilà, il a juste fallu faire tous les tâches et on est tombé dessus.
Ouch! Ah, c'était. Je l'ai vu arriver le truc, hein, mais. Je me suis dit, non, ça va passer, c'est bon! Et Head of the Keeper qui marche bien là pour le coup. Mystère et sac. Ça nous enlève Curse of Darkness. Et on récupère un autre Hangman. Parfait. Étage suivant, on en est où là? Caves 1. Hangman est plus important qu'une pilule qui peut me tuer. À mon avis. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Quick, quick. Deux doigts coupe fin. Non, c'est pas du tout ça le. J'aimerais vraiment que ça tue ces trucs plus rapidement, mais apparemment on n'est pas dans la. On n'a pas le matos qu'il faut pour ça. Sérieusement, même les. Oh là là. Je sais pas ce qui fait que ça tique aussi doucement que ça. Mais... À part l'explication que je donnais tout à l'heure, mais. Que j'ai donné tout à l'heure. Mais... Et paf, mourez. Et sur certains ennemis, ça a l'air de bien marcher, sur d'autres, c'est vraiment la misère, quoi. Ça n'a aucun sens. En plus, on survit, hein. On a un petit caca héroïque. Oh, là, par contre, ça va être un massacre. Eh, Strength, c'est pas mal. Strength, c'est pas mal, d'autant plus qu'il y a une synergie rigolote avec le. Non, ça c'est mieux. Avec un deal with the devil, sauf qu'on en aura pas cet étage, je crois, mais. On va voir. On va essayer d'en avoir un à cet étage, c'est-à-dire. Ben, on va juste se battre contre le boss et voir ce qui se passe. Ça dépend presque exclusivement du RNG à ce stade. Et j'ai foncé dessus. Il va plus vite que ma larme. Bordel. Ça, si tu peux rater spawner des trucs, ce sera sympa. Pas fantastique l'arcade. Hein. Je peux pas donner, on sait jamais ce qu'il peut y avoir dans le magasin. Gratuite. Alors, Jar of Fly et Humbling Bundle. Désolé là, on est où là? Désolé la Bible, mais tu vaux pas mieux qu'une qu'un bocal de verre rempli de mouches. Eh ouais. Alors, on va retenter un Magic Mush. J'avais espoir. Voilà, 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 voilà. Humbling Bundle qui synergise très bien avec Head of the Keeper, comme vous avez pu le voir. Ça fait apparaître des doubles pièces au lieu de simples pièces. Le ralentissement. Bah c'est pas grave, on va en faire d'autres après, je vais en mettre plein dans cette vidéo. Et on continue de grinder le Keeper. Thank you.
Sérieusement. Je vais pas tenir, je pense que je vais toucher, mais franchement, c'est discutable. Alors, item room, item room, item room, niveau XL, niveau XL, niveau XL. Oh, c'est erreur. Oh. Rien que pour Small Rock, ça vaudrait le coup de le faire celui-là. Un archiste book ne vaut pas le coup. Olé. Et voilà. Hiérophante, mouche. C'est seulement que la deuxième item room soit super bien. C'est pas mal. C'est pas super bien, mais c'est discutable. L'avantage de Little Haunt, et là je vais le garder apparemment, c'est que bah, il va aggro tout seul des mobs, et si on arrive à choper un truc genre node leaf ou quelque chose comme ça, bah, ça sera positif. Au passage, on s'est déjà pris un coup, donc le deal with the devil, compromis. Mais sur le niveau XL, les... Oh là 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 là. Sur le niveau XL, c'est un peu différent, la logique. On va voir ce que ça donne. Il faut pas que je me fasse toucher contre ce monstre trop là. Ok, bah ça foutu. C'est... Les tirs de monstre, ils ne touchent jamais, sauf quand il faut pas. Il y a plein de cas où genre c'est le premier étage ou quoi, où j'ai déjà pris des dégâts donc on s'en fout. Il me touche pas. Et là, ben... Après c'est bon, c'est cool parce qu'on gagne du temps au niveau du chrono quand même, mais... On gagne plein de mouches. Allez, c'est un début de run sympathique. N'en disons pas du mal. Coffre rouge ? Non. Olé. Merci les mouches.
c'était magnifique ça. Alors je rappelle la situation, on a eu un damage up sous la forme de Small Rock, on a eu Little Hunt qui est sympathique, on a eu Cube of Meat qui est sympathique aussi, et apparemment on peut tuer ces trucs en un ou deux coups, donc on va éviter de faire l'erreur de se décaler après. Oh, qu'est-ce qu'on va gagner ici? Eh, c'est acceptable. C'est pas fantastique, mais c'est pareil. Dans la veine de Little Hunt et de Cube of Meat, si on trouve nos Leaf, on est à peu près 7 pour la plupart des ennemis qui peuvent nous attaquer. Ils peuvent se déplacer sur nous en tout cas. Bon, alors pour Hush, ça sert à rien, mais. J'avais oublié. Hop, il en reste un. Il se dérouille, hein, Little Hunt. Quand même. Alors, à ma de mémoire, j'ai pas pris de dégâts sur cet étage encore. Je vais essayer de sauver mon deal with the devil, même si c'est pas forcément une grande idée. Hop là. La bulle, je ne vais pas la prendre. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'à chaque fois. Tenter de conquérir le monde. Non, pardon. Ah, olé. Parce que. Si c'est Hellsdown, eh ben on est foutu. Oh sérieusement quoi. J'ai buté sur le. C'est normal, il y a le bord du niveau, je m'arrête dessus, mais. On a une autre item room, on va tenter le combat. Ah oui. Après les deals with the devil, c'est pas critique non plus de pas les avoir, mais. Donc il y a un moment il faudra qu'on se fasse méga à ça. Il y a un moment, il faudra qu'on se fasse méga Satan. Quoi. C'est... Elles apparaissent derrière lui, elles se décalent pas, on les voit pas les grandes. Les mouches grises là. Pas très pratique. Demon Baby qui a fait le boulot. Est-ce qu'on cherche le magasin? Oui. À un centime, on va chercher le magasin. Un PhD pourra nous rendre toutes les pilules. Au moins non négative à défaut d'être utile donc. Oh c'était magique ça. Les items qu'on a sont pas surpuissants. Oh faudrait pouvoir voler pour prendre ça. Les items qu'on a sont pas surpuissants mais ils sont utiles. Il y a Little Hunt qui c'est un agro automatique, Demon Baby aussi, Cube of Meat. Toujours sympathique à avoir. Il nous faudra un tout petit peu plus de dégâts pour pouvoir tuer facilement ces monstres là, mais. Franchement, la Bible, est-ce que c'est bien la peine? Oh! Ça, c'est bon ça. La Bible, est-ce que c'est bien la peine? Je dirais que non. Encore que. Je me plaignais de ne pas pouvoir voler tout à l'heure. Alors ça fait 15 centimes pour avoir cœur d'orne. Je me sens pas obligé de garder le. C'est vrai que je vole pas. Je me sens pas obligé de garder le Wooden Penny. Je sais pas le nom exact. Parce qu'avec Head of the Keeper, je devrais pouvoir générer des pièces assez régulièrement. Un peu que j'ai la chance, ce qui va avec. Donc on est bien parti. That settles it. Donc objectif, ne pas se faire toucher dans cet étage, comme dans tous les étages d'ailleurs. Mais c'est pas trop grave si ça arrive. Par exemple là, la Bible c'est 2 centimes et une clé. Et... Non, de toute façon je serais obligé d'utiliser une bombe pour le Tinted Rock. Mais... Ouais, en gros j'essaie de justifier mon achat, pas uniquement par le fait que je veux one-shot Mom, parce que c'est pas vraiment une bonne chose. Bien, normalement si on arrive à Mom et qu'on a besoin de la Bible pour gagner le combat, ouch. Oui, il s'arrête, ouais. Si on arrive à Mom et qu'on a besoin de la Bible pour gagner le combat, c'est qu'on n'est pas assez puissant pour faire le reste, de toute façon. Mais ça facilite la vie, on va dire. Ça enlève un combat stressant.
dégâts là parce que les bonnies qui meurent pas, c'est pas pratique. Je n'ai pas de clé. Ah ah! Mais si, j'ai une clé. Pom. Y'a pas un autre truc qu'on pourrait choper dans le coin? Non. Hein. Voilà, on a une clé. C'est embêtant pour les deals with the devil parce que là, concrètement, avec Strength, j'aurais pu en prendre un. Un petit. Ça, c'est pas très bien ça. Vous savez quoi? Je vais voir si ça y est, si ce serait notre la salle secrète, mais il y avait peu de chance. Oh, Demon Baby qui m'a. Oh le. Oh, c'est. La mouche aurait dû passer sans exploser là. Pas cool, ça me coûte de l'argent toutes ces conneries. Pas grave, mais bon. Quand même. De toute façon, on avait déjà pris des dégâts donc c'était déjà foutu pour le deal, mais c'est pas une raison pour me faire ce genre de blague. Oulala. Manque de vitesse là. Ok, meurs toi. Ah, toi aussi, et toi aussi, ouf. C'est l'étage des grandes salles ou... Non, non, non. Ah, mais des mondes... Demon Baby qui est en train de me coûter cher. Très cher. J'ai besoin de pas mourir. Il fait exploser les ennemis à bout portant quoi. C'est pas très chic tout ça. Oui, j'aurais pu utiliser la vie. J'aurais peut-être dû d'ailleurs en retransmettre. Oui, la salle de combat je l'ai vue mais honnêtement... Mais honnêtement, je l'ai vu après, donc... voilà, voilà. Est-ce qu'on va finir le reste? Le magasin, là, 15 centimes. Je peux valoir le coup. Si je trouve une pièce par terre, j'irai voir ce qu'il y a dedans, la salle du combat, mais... Franchement, je doute que ça arrive. Voilà, plein de morts. Il en reste encore plein, bon sang. Entre les mouches et la tourelle qui tire sur les trucs à bout portant, je peux pas être près des mobs. C'est pas grave en soi, mais... Ah. Les éternuements. Et oui, c'est encore l'hiver, les amis. Olé. Ouah. Et le magasin contient... Raid. Ce qui n'est pas très intéressant en soi, je dois avouer. C'est de l'argent, certes, mais... Non, je vais pas aller voir la salle du combat parce qu'honnêtement, j'ai pas envie d'aller en bas et de revenir ici. C'est tout. Je pourrais aussi entrer dans la Curse Room et ressortir en prenant un dégât, mais... Ouais, vous savez, la Curse Room est plus tentante. Mais j'ai plus de sous, de toute façon, pour me remonter ma vie après. Et je vais pas utiliser Strength pour ça. Ce serait stupide. Je pète les cacas sur ma route, je suis... cacateur. Ok, j'aimerais bien que les aides disparaissent. Les ZAD. Voilà. En plus, ça me fait de la vie.
Chubb il est bien parce qu'il se téléporte pas. Donc Little Hope ne va pas le lâcher. Et ça nous permet de nous concentrer sur les ZAD. Et c'est pratique. Donc pas de deal comme prévu, hein, parce que... Voilà. Mais luck up. Luck up. Ok. Alors on tire avec notre cadence de tir de psychopathe. Et pourquoi ils s'esquivent les balles maintenant? C'est nouveau ça comme comportement. Voilà. Aucun souci. Un sou. Ça c'est bon, lui ça va devenir un bonus, je suis sûr. Non, même pas. Ouah! Ouh là là. J'y ai cru, hein. Aux dégâts. Mais ce n'est pas arrivé. Oh non. Ah, Little One qui est en train de faire le café, franchement. Parfait, il n'y a pas de Nintendo dans l'autre, c'est dommage. Franchement, Little Hunt, je pense que c'était un bon pick-up. À ce stade. Ok. Olé. Il y a une mouche invisible, bordel. Ah, mais. Comment vous voulez que je fasse dans le milieu de tout ça? Le fait que ça puisse faire apparaître des araignées, c'est pas trop grave en soi, mais ça peut les faire apparaître à 10 km, quoi. Genre, ils font un saut et puis hop. Oh, crawl space. J'aime bien ce qu'on monte la stat de chance en même temps, je me prends tellement de coups bêtes. Ah! Il est pas mort, hein. Par contre, là. Ah ouais! Ah bah je sais pas pourquoi je me suis fatigué. J'aimerais bien ne pas mourir. Voilà. Ne pas mourir, ça c'est fait. Ennemis là, je crois qu'ils étaient dans Isaac original. Je commence à bien les gérer. Il aura juste fallu 5 ans quoi. Enfin, 2 ans. Vous savez quoi? Voilà. On va se mettre à l'abri un peu. Non, ça se met pas à l'abri du tout vu qu'il tire de tous les côtés. Ok, on va faire. On va pas se mettre à l'abri du tout. Petit coup, voilà. Et le troisième. J'ai eu peur de ping, quoi, c'est grave. Oh, you are the best. Bon, ça. Très bon. Très, très, très bon. Excellent, même. Notre deuxième carte c'est... On a deux strengths, ok. Lui je vois pas trop ce qu'il peut nous apporter maintenant avec les sous, mais c'est pas grave. On va donner de l'argent. Nodeleaf, à quoi sert Nodeleaf? Si je ne bouge pas pendant une seconde ou deux, je crois que je deviens vulnérable. Sachant que j'ai de quoi faire des dégâts, alors ça risque de faire un run très très long. Mais il y a de bonnes chances que ça me permette de gagner. Peut-être pas contre... contre Hush c'est faisable aussi en fait hein. On va voir. On a eu du tamou et le magasin. Oui hop. Et là je ne risquais plus rien.
Et là, j'ai raté mon coup. Et on va attendre qu'il s'arrête de... Voilà. Donc en gros, nos dives, ça peut nous donner, nous permettre de gagner assez facilement, mais c'est pas évident, évident. Mob of the Void qui coûte 2 coeurs, que je ne peux donc pas prendre quoi qu'il arrive. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Est-ce que 2 coeurs, ça me tue instantanément. Donc je peux tenter ce que je veux après, mais une mort instantanée, en général, c'est la mort. Vous voyez là par exemple, si je fais ça. Hop. Bon alors là c'était la salle, c'était pas dangereux de le faire mais... le truc torbide quoi. C'est quand même sympathique comme truc. Bon et là il va falloir que je bouge parce que par contre, s'ils sont trop loin ils vont pas aggro les trucs. Mais... Là, il me faudrait un bumbo. Ce serait bien un petit bumbo. Hop. Ouais, c'est un peu lâche comme méthode. Je sais. Ouch. Non. Il était sur moi, bordel. On va en refaire un autre. Ah alors là par contre celle-là faut pas la tamisette, c'est un bon petit damage up des familles. On va être attentif à pas le cacher celui-là. Alors c'est sûr il faut pas que ce soit le seul damage up qu'on gagne dans la partie mais... Bah, d'ailleurs ça ne l'est pas, on est presque au max de visuellement de dégâts. Faut vraiment pas le gâcher celui-là de run. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est du bon. Même ça, ça ne m'inquiète pas. Alors c'est sûr, on aurait une cadence de tir un touche-tiche-touya plus élevée. On pourrait vraiment faire le leur mettre la misère, mais c'est déjà pas mal, avouez. Oh, pile dans une petite salle, c'est pas fantastique. Mais... on peut faire pire. Surtout qu'on fait des dégâts honorables. De la chance à la portée. Et bon, on va y aller. Je rappelle que Hush c'est 30 minutes pour 8 lives, donc le temps est encore un élément essentiel. Moins essentiel que pour Boss Rush, mais... Non, mais... La cadence de tir est beaucoup trop basse. Beaucoup trop basse. Beaucoup, beaucoup trop basse. C'est ridicule. Là, ce serait bien d'avoir une carte Joker pour garantir un... C'était beau ça. Pour garantir un petit deal, mais pas envie de me fatiguer. Vous croyez que je peux avoir les deux là? En même temps, je veux pas de la pilule en fait. Ah, je veux les deux quand même. Je veux pas de la pilule tout simplement parce que pareil, S-Down, trop dangereux. Est-ce que je prends Marked? Oui. C'est peut-être une mauvaise idée. C'est souvent une mauvaise idée. Mais ça m'augmente un peu ma cadence de tir, c'est tout ce que je demandais. Et ça permet de se concentrer on va dire sur l'esquive. Alors ça peut être compliqué parce que ça rallonge les combats et... Mais bon, je l'ai pris de toute façon, donc c'est pas comme si... Ce serait bien de tenter le magasin honnêtement à ce stade, mais...
J'ai pas de clé de toute façon, donc je pourrais pas y entrer. J'ai pas de monde non plus, donc je pourrais pas forcer une salle secrète. Allez! Oh, comme on est en train de tuer la Widow, quoi. Ah, c'est horrible. Pauvre bête. Des mouches? Non. Alors, c'est un début de run sympa. Si on gagne pas très vite de vitesse de tir ou de la vitesse de tir, ça va vite stagner. Mais pour l'instant, on a des dégâts très très honorables. C'est une bonne chose. Je veux pas me faire toucher bêtement par des dips. Ce serait pas cool. Alors Marc, pourquoi est-ce que c'est pas bien? Bah ça complique un peu le jeu, faut avouer, parce que là en gros c'est un peu comme du Ludovico mais à retardement. Alors ça complique un peu, mais l'un dans l'autre, ça nous augmente notre cadence de tir et ça peut nous permettre des trucs sympas, genre tirer en diagonale, comme ça. Donc voilà, c'est ça vaut ce que ça vaut. Olé. Donc on n'a pas assez de portée pour ça, mais ah, parfait. Mais on fait bien mal quand même. Ouh là là, ouh, cette salle elle va me coûter cher. Non, oui, j'ai évité. Ouh, arrête de me pousser mes tirs, moi. Pourquoi quand nous on a The Soul, c'est pas aussi efficace que ça? Franchement. Je trouve ça un peu malhonnête de la part du jeu. Très bon ça. On a deux clés, donc le magasin est une possibilité. Deep Pocket, c'est tentant Deep Pocket. Parce que pour l'instant ça ne sert à rien, mais honnêtement BFF pour l'instant on n'a pas de tête non plus. Par contre si on trouve deux cartes utiles ou des trucs comme ça, ou deux trinkets utiles, bah ce sera utile. Phrase utile s'il en est. Hop là. Touche, touche. Touche. Touche mieux. Bien bien ce truc, tu vois pas les ennemis, j'y tiens un peu au hasard. T'espères toucher. Et tu touches. Non. Pour un coffre rouge, je l'aurais fait à coup sûr. Pour un coffre jaune, peut-être. Pour un coffre en pierre aussi, mais c'est sûr. Mais pour un coffre gris, non. Il n'y a juste aucune raison de le faire. J'oublie d'utiliser la pièce à chaque fois. Oh, Momzwig. Comment ça marche, Momzwig, avec... avec Marc. Momzwig, si je me trompe pas, ça fait apparaître des araignées quand je tire. Mais est-ce que c'est quand je reste appuyé sur le bouton de tir, ou est-ce que c'est quand je tire vraiment? Du coup, on a tout vu, on va se casser. Enfin, on a vu tout ce qu'on voulait voir. Bonne question. On pourrait aussi essayer de trouver une salle secrète ou super secret. Par exemple, là. Le problème de Marc, là, c'est faut pas que je tire sur mes bombes aussi. Peut-être, probablement ici, vu la tronche de la pièce d'ailleurs. Alors là, il faut tuer les feux rouges. Pardon. Voilà, ensuite on pousse ça là. Ensuite on pousse ça là. Oh. Bah c'est pas un mauvais item, alors je vais rien dire. Disons que ça tire quand je tire. Et comme j'ai marqué, je tire pas souvent. Faut que ça tire quand je bouge la cible en fait. C'est moyen. C'est pas notre boss. Pestilence. Version champion. Les versions champions des cavaliers sont toujours plus faciles, je sais pas pourquoi. C'est une espèce de... d'inversion mystique.
Non, c'était quand même. Mais en gros, le cavalier de base est toujours plus dur que la version champion, ce qui est assez rigolo. Alors, c'est pas Krampus. Malheureusement, on n'a pas de HP. Et donc, on peut pas prendre ni Abaddon, ce qui aurait été compliqué, ni petit machin à gauche. Ce qui, lui, pour le coup, aurait été très sympa, mais non, c'est vraiment trop risqué là. C'est vraiment trop risqué. Je sais que j'avais dit que c'était trop risqué, mais. Genre, il nous faut. Concrètement, voilà, si le run n'est pas super puissant, on n'arrivera pas à faire Hush et tout ça. Quoi. Donc, il nous faut quelque chose d'utile. Donc là, on va espérer trouver vite des HP up quelque part. C'est toujours possible, hein, Flooded Caves 2. Ça nous a pas tué, putain. Flûte. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Godhead, franchement, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de. Mais de toute façon, j'arriverai pas à choper Godhead, donc. Eh si, remarquez. C'est. Ouais, je gâche pas mal de vie de Nine Lives là pour ça, mais. Honnêtement, avec The Mark, ça devrait valoir le coup. Bon, maintenant il faut juste pas mourir à chaque fois, mais à chaque partie, à chaque salle, mais. Mais ça, franchement, si on arrive à survivre assez longtemps pour que. Pour pas mourir, c'est bien comme phrase ça, ce sera bien. Genre, on a des, du coup, on a des dégâts qui sont. OP. Et Succubus au milieu qui fait quand même bien le boulot. Voilà. Et le dernier, il n'y en a pas, il n'y en a que deux. Parfait. Ouf. Voilà, franchement, là, à part le fait qu'on peut mourir en un coup, tout va bien. L'avantage aussi, c'est que s'il y a des pigs, maintenant, je les prends. Avec espoir de tomber sur un health up. The lovers. Des mouches, hein, The Lovers pour l'instant. Allez, on sort de là. Ah, faut pas que je tire dessus, ça. Voilà. Donc, à Galaz. Oh, expérimental traitement qui ne peut pas me descendre ma vie à moins que 1, donc je prends tout de suite. Magasin. Et Red Candle qui pour le coup sera sûrement plus intéressant que que la pièce en bois vu qu'on a qu'un de vie. On va donner parce que voilà. On a seulement abîmé notre machine récemment. Allez allez 100 100 100. Ouais, on est remonté dessus des 100. Ça c'est juste symbolique, hein, mais j'ai déjà fait monter à 999 dans ma prime, dans ma jeunesse, donc voilà, ça n'apporte rien de plus. Mais... donc on a eu item room, magasin. Là vraiment, ce qu'il me faudrait, c'est un petit HP up et un holy mantle aussi. Peut-être comme vous voulez. Hein. Agalaz. Agalaz, pour tout de suite, il nous faudrait une sale peine de cailloux. C'est bien parce que l'IA des chauves-souris qui esquivent ne marche pas avec Marked. Donc, elles sont trop bêtes.
Alors on one-shot la plupart des ennemis, ce qui est bien. On fait du poison sur les autres, ce qui est bien. On ne peut pas entrer là, ce qui n'est pas bien mais pas mauvais non plus. Ah non, de toute façon c'était pas là. Ça, wow Ludo. On va rester sur Agalaz The World. Bizarrement, je pense que ce sera plus utile. Oui, Agalaz est plus utile qu'une autre carte, mais... C'est comme ça. Ouh, comme j'ai failli me prendre un tir là. Ouh, comme j'ai failli me prendre plusieurs tirs là. Vraiment, c'est... C'est les boss le danger. Les boss sont faciles, c'est les ennemis normaux le danger en fait. Si vous voyez, les ennemis normaux ils ont des tirs à la con, des trucs comme ça. Les boss, très prévisibles. Donc ça va être qui là? Saleté de caca. Et c'est fini. Franchement. Oh. C'est-à-dire qu'une des foules de tout à l'heure ou celle-là, c'est Bad Trip, hein, pour info. Bon. Krampus? Non, ah bah non, je suis con. Évidemment que ça pouvait pas être Krampus, on l'avait déjà vu celui-là. On l'avait déjà vidé. Necropolis 1. Ça, oh, Ludo. Ok, tout est éclaté dans des directions différentes, sauf en haut. On va d'abord aller... Pourquoi est-ce que je tiens comme ça? J'ai pris un Ario Wizard? Ouais, apparemment. On va aller dans notre item room. Et ouais, c'est Agalaz. Agalaz, je sais pas où je vais m'en servir, mais on trouvera bien. Oh, je n'ai pas de bombe, c'est dommage. Non, j'étais en train de dire, mais avec Agalaz, mais Agalaz n'ouvre pas les coffres en pierre, je pense. Locali, j'ai une bombe. Donc, ça. Ensuite, on fait ça. Je réfléchis ça. Et ensuite, on prend ça. Et on le repose. C'est pour la transformation en Bob. Je sais plus ce qu'elle fait du tout, mais. Voilà. Ah, alors ça c'était pas voulu. C'était pas voulu du tout. Pourquoi j'ai pas utilisé Agalaz? Parce que je pensais m'en servir dans la grande salle avec Caspar qui a beaucoup de cailloux. Ce n'est pas le cas, c'est à dire, mais... Hop là. Peut-être que la salle va nous dropper une clé. Oui. Magasin. C'est à dire, magasin, j'ai 2 centimes. Je vais peut-être la garder, ma clé. Oh. La mauvaise salle. Ouh, comme on va pas vite. Comme je m'en suis rendu compte tout d'un coup là. C'était moche. Alors la salle de combat, elle est très loin. Et elle a peu de chance de rapporter un truc utile, pour être honnête. Donc on va pas. Hein. Ouais, Agalaz, je sais pas si ça servira un jour hein, à ce stade. On est où là? Necropolis 1. Des bombes infinies, ce qui change un peu la donne. Des bombes infinies et des bombes gratuites, ce qui ne change rien du tout. Bon les boss, les adversaires. Ouh là là, faut éviter la boomstone à tout prix. Et il est mort. Comme on a éliminé les adversaires, je pense qu'on est relativement à l'abri hein, au niveau des dégâts. Toujours pas Krampus. Oh, c'est un damage up ça. Est-ce que je le prends? Oui. On s'en fout tant que j'ai pas de HP up. De toute façon, les vies, honnêtement, les vies de 9 lives avec le Keeper, ça sert à rien. Je veux dire, tu repars avec un point de vie, t'as aucune chance de le faire monter. autant les utiliser pour ça quoi. Non. Là, on a des tirs qui sont classe quoi, visuellement.
Alors eux par contre ils vont être moins drôles à faire avec remarque apparemment ça passe très bien. J'allais dire ils vont être moins drôles à faire avec Marc mais pas du tout. Ouais une clé pour une clé ça va, c'est raisonnable. Là pour la carte, eh peut-être. Peut-être pas. Agalaz ne servira jamais, enfin, je commence à en être sûr. C'est ridicule. Oh là, il est tout petit. Il en reste. Oui. Bah alors. On veut pas mourir. On est récalcitrant à la mort. On s'oppose à mourir. Ah bah c'est mal. Donc le prochain boss ce sera Mom. C'est une information. Ça c'était des araignées, c'est une information. Parfait. Correct. Je sais pas du tout si ce sera là, mais j'avais envie de suivre. Alors là, la salle qui est à droite c'est forcément cul-de-sac, donc on va pas vraiment s'embêter avec. Et là, on va tuer monsieur, je repousse les balles. Ok. Ok. Ouais, j'ai une partie d'autopilote là, je vous avoue. Hein. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe sur l'écran, mais. Et globalement, ça marche, alors je me plains pas. Donc, voilà. Une de nos dernières. Non, notre dernière item room. Qui contient un cancer, ce qui n'est pas un très bon item pour nous dans notre situation. Ça c'est pas non plus un très bon item pour nous dans notre situation. Quoi? Ah merde. Ça c'est un assez bon item parce que on a retrouvé notre vie. Ah je suis content. J'ai un petit filet de sécurité, pas énorme hein. Mais il existe. Donc on est venu ici pourquoi? Pour péter le monsieur. Ah non, 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 non! Marked! Sérieusement! Sérieusement, Marked! Sérieusement! Ok. J'aurais bien aimé qu'il drop une pièce, mais. Apparemment, lui, non. c'est drôle, ça. Et on y va. On a Bandage Girl aussi, il faut y penser. Voilà, donc on prend ça parce que c'est. Je rappelle que c'est un des objectifs qu'on doit faire. On se bat contre Krampus. Ça va pas être très long. On prend pas Krampus Head. On va jeter un œil à Boss Rush. Sachant qu'on. Je ne vais pas faire Boss Rush, donc c'est juste. Sauf s'il y a un Godhead ou quelque chose comme ça, bien sûr. Mais c'est pas du tout le cas. Je veux dire, là il y a 99 bombes. Là, il y a un item qui est Motor Motil, il y a Petit Loki et il y a Book of Monsters. Donc on s'en va. Ici. Ce run est intéressant. On fait très très mal. On a tout ce qu'il faut pour avoir arrivé jusqu'à Hush raisonnablement vite. Enfin, dans le temps, quoi. Et c'est bon. Donc voilà, ah c'était Curse of the... ok. C'était bizarre. Voilà, concrètement on devrait s'en sortir si je fais pas trop de la merde. Alors je dis pas qu'on va tuer Hush parce que c'est quand même un gros morceau Hush. À ce stade franchement je me demande s'il vaut peut-être pas mieux juste finir Sheol et la Dark Room parce que... Un run qui est efficace contre Hush c'est pas forcément un run qui est efficace dans le reste du jeu quoi. Et vice versa. Ouh, comme c'est tentant ça. Sauf que la bougie se recharge et peut être utilisée plusieurs fois dans la même salle, donc je pense que la bougie reste plus intéressante que Shoudaouf. Mais Shoudaouf fait nos dégâts, donc vous voyez, c'est ça que je veux dire. Shoudaouf, dans le reste des salles, c'est probablement meilleur que Red Candle, là, nous, à ce stade. Mais pour Hush, la Red Candle est mieux que... Il est où l'autre machin, là? Il est là. Donc voilà, on va garder ça, on va tenter Hush. Parce que de toute façon, il faudra le faire.
Voilà, et de la même façon, Hush, il a une armure qui augmente quand il prend des coups et qui retombe quand il prend plus de coups. Avec Marc, on va tirer dessus en continu, donc c'est compliqué. Je suis vraiment en train de me demander s'il faut faire Hush ou pas sur ce run. Je dirais que non. La réponse sensée, ce serait non. Mais j'ai envie de faire Hush. Conquest. Ok. Ça a été très sale. Le pauvre Conquest. Des pilules. Bob's Curse. Et d'autres pilules. Est-ce qu'on les connaît? Full Health. Bad Trip. Je vais pas prendre de. Je vais pas prendre les pilules parce que je les connais pas. Et voilà. Est-ce que je prends vol à la place de Red Candle? Bah non. Ces questions, mec. Bah non. Ouh, Scarlet Bomb. Pas très très bon tout ça. Meurs. Ah, ces ennemis qui résistent à la mort, je trouve ça scandaleux. Bon, vous savez quoi, on prendra pas beaucoup d'autres meilleures occasions. Voilà, la galade. On a eu des mouches, il devait y avoir un Tinted Rock. Tant mieux. Non. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Il y a encore un magasin au niveau de Hush, c'est vrai, je pourrais récupérer un peu des sous, mais honnêtement. À ce stade, c'est plus vraiment la peine. Ceux-là, ils ne vont jamais sauter sur moi en tout cas. Donc, tant que je reste à distance, je ne crains rien. Là aussi, à Galaz aurait été sympa. Cela dit, j'ai déjà eu Small Rock, donc les Tinted Rock ne m'apportent que des mouches, hein, dans le meilleur des cas. Peut-être des clés aussi, mais. Ouh, il nous faut des clés pour Rush. C'est vrai? Ce serait bien qu'on ait 7 clés. Je n'y pensais plus. Deux Wheel of Fortune. Hermit. Bah du coup on a plus besoin que de 6 clés mais... Hermite peut m'amener dans le magasin mais... à moins que je me trompe. Non c'est ça. Du coup on va ouvrir ce coffre de peur que de chance pour... en espérant qu'il y ait un peu des clés dedans. Pas du tout. Oh j'avais oublié ça, je voudrais pas me retrouver contre eux, je sais pas avoir de plein d'items bonus, ce serait ballot. Du coup est-ce qu'on fait Hush? Je reviens sur cette question. Ok, donc toi. Allez. Parfait. 3 clés. Il nous en faudrait 6 pour que ce soit... bien. Ça, ça pourrait être une seule secrète. Vous voyez le carton rouge là? Ça pouvait pas être une salle secrète là où j'ai testé. C'était impossible. 4 clés. Le jeu va-t-il nous faire l'honneur de nous donner des clés? Ce serait gentil. Ouais, c'était essentiel la pièce, hein. Ok, on va s'occuper des ennemis un par un. Quand ils sont visibles. Là, il y en a un qui est visible. Succubus qui fait le taper. Two of clubs. Ouh là là. Je veux pas mourir bêtement. ça pourrait être une salle secrète du coup, vous croyez? Il faudra que je cherche plus proprement parce que là je fais n'importe quoi. Je vais pas entrer dans le... non, je vais pas entrer dans le magasin parce que j'ai trop besoin de ma clé pour le prochain étage. Ah, encore que je pourrais entrer dans le magasin avec la carte de l'ermite et avoir une clé pour le prochain étage. On va voir.
Ça c'est une bombe. Ouais, j'ai trop peur du caca rouge. Hein. C'est pas un magasin, je suis con, y a pas de magasin à cet étage. Évidemment. Bon, du coup, on va voir. Est-ce que ça peut être là? Oui. Est-ce que ça peut être là? Non. Je cherche toujours la salle secrète. Et non, il n'y a pas de magasin à cet étage. Donc ça, c'est probablement une bibliothèque ou probablement une bibliothèque. Hein. Y a pas d'autres, pas beaucoup d'autres possibilités. Mais... on va tester ça. Eh ben, Golden Poop qui contient rien d'intéressant pour le coup. Ah non, Marc de, je le sais en plus. Hein. Ah non, mais je voulais choper. Voilà, bon, ça sert à rien. Mais... bon, 5 clés, c'est pas le maximum. Mais... oh là. Heureusement que ça meurt bien tout ça. Ça, on sait toujours pas ce que c'est. Très efficace, hein. 6 clés. Combien y'en a des mains là, honnêtement? On va chercher les sous. Hein. Voilà. Donc Mom. Non pas Mom, Hit Lives. Oh putain. Ça aura pas été long. Ah non, j'ai fait n'importe quoi, bordel. Ok. Attendez, il reste pas des piles quelque part. Dans la mesure où je n'ai qu'un HP, je peux prendre des piles et espérer tomber sur un heal-up. Ce qui, j'avoue, m'aiderait beaucoup. Allez, ah bon, on est lent hein, quand même. Ça complique un peu l'esquive. Allez, c'était full elle celle. Ah non, c'est bad trip, mais... c'est quoi la carte qu'on a abandonnée là-haut? Ça doit être une Wheel of Fortune. Bah, ce stade, hein. Ça va être compliqué, on peut le tuer le cœur, hein. C'est juste qu'il faut que je sois attentif et que je fasse pas de la merde. Autrement dit, c'est mal barré. On va toujours pas entrer là-dedans, sauf si je remeurs là, auquel cas on essayera. Ça sert à rien de garder les clés pour après si de toute façon on meurt. On va essayer une salle super secrète. Ouh, comme j'ai failli marcher sur les pics. Elle est pas là. Elle est probablement en dessous. Ici. Ici. Eh ben. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que ça peut nous donner d'utile ça si on la joue des mouches? Ou speed down quand on l'a fait péter. Bien, 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 bien. Vous savez quoi à ce stade? On va ouvrir la salle de la bibliothèque probablement. On va se faire des mouches. C'est pas... c'est probablement pas ça qui sauvera le truc, mais... voilà, on va faire plein de mouches. Comme
comme ça, quand on arrivera devant le cœur, on lui fera plein de dégâts avant même d'avoir commencé. Sachant qu'on a des dégâts énormes, ça peut aider, hein. C'est pas négligeable non plus. C'est juste qu'il faut pas que je meure entre temps. Mon dieu. C'est quoi qui nous avait coûté ce HP déjà? Je sais. Ah oui, on est mort. Je suis con. C'est ça qui nous a coûté ce HP. Ok, c'était quoi ça? C'était très bizarre. On a déjà battu Krampus, donc on peut aller voir ça tranquillou. Vous savez quoi? J'ai plus qu'une vie. Et je prends ça parce que... Maintenant... Ah mais non, je vole pas, je suis con. Ça compte comme un cœur rouge. Oh le con. Et on a raté l'âge de toute façon, hein, je suis en train de me dire. Oh le con, ça compte comme un cœur rouge. Donc je peux pas en profiter à moins d'avoir un... De ressusciter sur Guppy Scolar, quoi. C'est pas grave, on va se faire chez Hall. Pour le coup, devrait être plus facile que Hit Life. On va un peu tuer les trucs pour essayer d'avoir des mouches. C'est un peu con pour Hush parce qu'on avait quand même quelque chose d'intéressant, même si on avait qu'un seul HP. Mais si on arrive à torpiller les marques de Sheol et de la Dark Room, ce sera toujours ça de près. Allez. Et un dernier pour la route. Ouh là 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 là. Ouh là là. On fait des dégâts quand même, hein, l'air de rien. L'air de rien, dit-il en éliminant toutes les salles en un tir. Presque. Les tirs en diagonale, c'est utile contre ce genre d'ennemis. Hein. Y a pas photo. Encore un petit. C'est bien, on a plein d'argent. Ça sert à rien. Oh! Oh, cette haine, quoi. En plus, ça l'a tué, quoi. Il était mort. Un vrai problème. Et le dernier Chub. Faites-moi rire. Chub qui se fait vomir dessus par mes larmes. Et on gagne une bombe. Et peut-être. J'allais dire, et peut-être un HP up. Et apparemment, le HP up, tu te le mets sur l'oreille, quoi. Vous savez quoi? Oh non, là. Ah, oh, Mart qui m'a poussé ma bombe. J'avais espoir que ça me droppe une pile intéressante, mais... Donc on a plus de vie. Il faut savoir que plus de vie, c'est pas bien. Parce que Satan, ça va être un gros morceau quand même. C'est le concept du bonhomme. Être un gros morceau. On va essayer. Ok, donc ça. Ouais, ils ont peur, hein. Ils font n'importe quoi. Ok, deuxième phase. Faites attention aux mouches. Faites attention aux mouches. Très attention aux mouches. On a battu ça.
Ouais, on a débloqué un truc. Alors ça c'est bien parce que le keeper il commence avec la store key quand on l'a débloqué. Ce qui veut dire que je pourrais accéder au magasin sans payer de clé, ce qui est bien pour les prochains runs. Ok, deux trolls bons, c'est un début. Deux araignées, c'est un début. Une autre troll bombe, c'est trop gentil, il ne fallait pas. Ok. Le jeu a décidé de me bousiller l'existence, me pourrir la vie. Ok, calmez-vous sur les araignées là. Elle m'est tombée dessus. Bah c'est pas grave, on a fait un truc en plus. Voilà. C'est de la progression. Mystrique moins 10, mais on a débloqué quelque chose. Et il commence, donc vous allez le voir, avec... Nanana. Avec la clé, en bas à gauche. Sur ce, je vous laisse pour... Je vous laisse. Et ça fait une heure, on va arrêter là. Allez, à plus.